mesdames et messieurs, merci encore d'être le nôtre. C'est votre Info TV, toujours votre rubrique de l'essentiel d'actualité. Où il y a un point d'actualité, tout analyser, tout réfléchir ensemble, tout pester la bino. Comment les choses se passent dans le cannabis, comment les comportements, il y a un homme politique congolais, baza, qu'on s'affiche par rapport à l'enjeu politique dans le cannabis. Voilà encore les lots, il y a un autre, pour tout, dans le cadre de l'information, dans le cadre de la réflexion. Et voilà encore tout cela en ce qui concerne les deux points où l'Italie, les enjeux politiques en Bokonabiso, surtout les élections au Zakoya, ou déjà tractation déjà dans le salon politique et côté, et certaines aussi, comme nous l'avons dit, s'est positionné pour affronter les élections. Certaines aussi, bah, donc, c'est un dialogue, fait ça là, par rapport à comment on a terrain, comment on a tableau, c'est comme si les élections n'auraient pas lié en 2023. Bah, non, fait, il serait de peut surprendre sur vos êtes distrait, parce qu'il y a des marches déjà, Bolanda qui ont annoncé, certaines aussi, bah, comme ça là, ma positionnement politique n'a pas. Voilà. Donc, on est sur la concernant toujours déjà, les rumeurs circulent déjà. Et surtout, n'a pas source, moussous aussi, tout ça qui est non. Il y a un nouveau accord entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a sa retour et pas Joseph Kabila. Toujours dans le cadre, il y a l'élection 2023. Et ça, Moïse Katumbi, azoluka mort naye politiquement. Moïse Katumbi, azoluka que ensemble kabwana, batu ba kite ensemble. Tous ani nango tindi Moïse Katumbi. Ça va se savoir. To komeka to solo la, to réfléchir moi mouke. To ko solo aussi concernant toujours deuxième réquisitoire et réquisition basala ki na résidence ya général. John Numbi Oyo va retrouver Biloko Oyo Makambo Bimina Katia résidence Wana. Donc Yemoko général en même temps Abanego Koma Tebite magistrat Akoma Yoko Koma Yemoko donc, n'habitez dans Bengé Nani. Yemoko, tout Bengé assassin. Azala qui n'a mort dans Katiandaku. Mission. Moko Mandako, c'est la X. Par rapport, il y a découvert Basali na résidence. Na deuxième réquisition. Ba trouvé dans la image. Boyoka commentaire. Boyoka koma. Biloko et bimangi kuna. Nine bimangi kuna. Affaire Chebe ya dossier Zakouna. Affaire colonel comment il s'appelle encore quand il y a un exil Zoka va fauter mon anikuna. Donc va découvrir va fauter batu ba boma na kata résidence na ye. Peut va découvrir aussi un frigo ou abanda koko après avoir ko boma batu. Donc, ça, c'est beaucoup moins dans ma image. Alors, prenons le premier point concernant toujours Moïse Katumbi par rapport à tout bien un rétropédalage. Retour par Joseph Kabila et encore, retour par Joseph Kabila et encore déjà en gestation, avancement et mon année déjà entre Joseph Kabila et Nafit. Moïse Katumbi, dans l'index sorti médiatique, il y a Moïse Katumbi quand il dit que non, c'est que Oazo vivre, c'est les copies collées à Tang Bazaki dans Joseph Kabila, l'entourage qui n'aime tout bas, ça là, qui non, bah diaboliser Moïse Katumbi. Abissé, oui, ben non, collègue pas Joseph Kabila, il y a un peu ça, collègue pas fait ici qui dit. Donc quelque part, Azaki un peu, Azaki un peu, Azaki un peu marginalisé,
na ba entourage ya ba chef de l'État, et comme yé mon père il faut quoi qu'yango, mais par rapport au tozo ngana à ce concerne l'information à notre possession concernant toujours rapprochement au bazoko sala na na Joseph Kabila, c'est rapprochement na est commis déjà prêt fin pour signer les accords. Voilà le lot Moïse Katumbi, beaucoup bazo poser ba question. Si accord Rouhani Salami, suite ou la vie politique, il y a Moïse Katumbi qui est à la nini. Les gens qui pensent nini Moïse Katumbi à Zalaki Nango, planin Moïse Katumbi à Sala. Certains aussi pensaient que non, Moïse Katumbi n'a pas encore quitté Joseph Kabila totalement. Les gens qui ont raison. Il y a certains aussi de ces cadres, nakasi ensemble, baza d'accord par rapport à rapprochement za kosalma, par rapport aussi y entourage ba proche ya Moïse Katumbi, ba rapprochement bazo sala pour que bazongela donc bazonga ba signer accord cette fois-ci na Joseph Kabila pour 2023. Alors il y a certaines aussi ba pesi déjà position na bango que non, au cas où Moïse Katumbi a signé accord, il y a aussi l'accord na Joseph Kabila, en tout cas certaines vont quitter ensemble. Voilà la situation concernant toujours cet accord où ils ont en gestation, où ils ont en précipitation, mais certains l'air si ils abondent, si ça verrait vraiment que accord rouané que ça l'a conclu, en tout cas ils préfèrent abandonner Moïse Katumbi na Joseph Kabila, bango bagozwa chemin na bango mususu. Et voilà un peu où tout ça qui nango tout réfléchir par rapport à ça. Na tiki binomino mbo réfléchir. Moïse Katumbi zo lukanini. Moïse Katumbi a qualifié Joseph Kabila au nion soko qualifié. Et certaines babagi zaga babaga na ba conflit moko boye ya makambo tali bambongo. Est-ce que ba arranger makambo na bango tout ezanini. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, c'était vraiment le premier point. Tout ça qui n'a pas eu le deuxième point, dans notre cycle, comment deuxième réquisition, la résidence à John Numbi, Ndenge Salamaki, vous allez comprendre que non, Moïse Katumbi, place à Soko Kende, Yemoka Kekoluka, a précipité, Soka Kei, a précipité sa mort politique. Il va être effacé dans l'histoire à Congo. D'abord suivez, et puis on se retrouve juste après. Lors d'une descente effectuée par les services urbanisme et habitat, accompagnée par la police militaire de la ville de province de Kinshasa et d'autres services, en date du 30 août 2021, à la résidence gendarmerie John Numbi, située au numéro 5 des avenues des Orangers dans la commune de la Gombe, une saisie importante des quantités d'armes de guerre comme mortier 60, mortier 80, PKM, AK-47, lance-flammes et autres a été trouvée dans la dite résidence ASE, à la surprise générale de services de l'habitat, constatant l'existence d'une poudrière à la résidence privée d'un chef militaire. Poursuivant les investigations, une autre descente a été effectuée en date du 1er septembre 2021 et cette dernière a permis de constater l'existence de plusieurs cartons contenant des copies des procès-verbaux et d'autres courriers dans les dossiers affaire Éric Lenguet de l'assassinat du défunt président de la République Laurent Désiré Kabila, de l'affaire Bundoudia Congo et l'assassinat de Tchebeya et son chauffeur Bazana. Plusieurs photos des personnes inconnues ainsi que des images sur la mort de Tchebeya. A noter la découverte dans la dite résidence d'une chambre bizarrement équipée d'un lit d'hôpital et d'un grand congélateur aux odeurs de corps humains. Sur instruction de l'auditeur général, les échantillons ont été prélevés par la police scientifique pour des analyses approfondies. Voilà, mesdames et messieurs, c'est quand même réflexion par rapport à l'actualité, par rapport au rapprochement. Joseph Kabila, Moïse Katumbi, et puis deuxième réquisition, vous allez comprendre comment que non, Moïse Katumbi n'a pas révélation et bimiao. N'a pas découvert, ça n'est pas John Numbi. Moïse Katumbi a mal réfléchi. L'entourage à Moïse Katumbi va réfléchir bientôt. Que ça là, que Joseph Kabila.
Tala makambu John Numba zosala. Asala. John Numba kima. Tala biloko ebimi. Les commanditaires. Nani apesa John Numbi. Pouvoir wana. Yako sala kamakambazo ko sala. Oa banaye ko sala. Alors les têtes vont tomber. Kala mingite. En tout cas, moi je vous dis merci. Prochainement, le numéro Moussousou. Portez-vous bien. Bye bye.